Chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va terminer notre leçon de l'unité 11 dans la conjugaison. Alors, la page 125. Alors, prenez avec moi la page 125. La conjugaison qu'on a fait dans l'unité 10, c'est le futur des verbes de premier groupe. Aujourd'hui, on va faire le futur, le même temps, mais des verbes être et avoir. Vous connaissez les verbes être et avoir. Alors, on a fait le futur dans l'unité 10 du verbe du premier groupe. Alors, le futur, c'est quelque chose de demain ou bien de la semaine prochaine qui n'a pas fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va avoir le futur des verbes être et avoir. Être et avoir. Alors, le futur du verbe être est être, j'écris, je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Ce sont les pronoms personnels. Très bien. Alors, je conjugue le verbe être au futur. Je serai, à I, tu seras, à S, il sera A. Nous serons, vous serez, ONS, EZ, il avec S ou bien elle avec S, seront, ONT. Ce sont, ça c'est le verbe être au futur, mais ça ce sont les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors on a fait le verbe être au futur. On va passer le verbe avoir au futur. J'aurai. Pourquoi on a écrit, on a supprimé le E ici? Parce qu'on a deux voyelles. C'est très bien. Alors j'aurai, tu auras, il ou bien elle aura, nous aurons, vous aurez, il avec S ou bien elle avec S auront. On a conjugué le verbe avoir avec le verbe avoir au futur, avec les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il faut apprendre ces verbes ou bien les verbes par cœur. Si vous avez compris, vous écrivez je retiens page 124 et vous faites les exercices 1 et 2 page 124. Et à demain, Inch'Allah. Merci.